dit dans quatre bulletins d'information là parmi information la balle gain pour nous développer pour nous mesdames messieurs. Eh bien nous attendons déjà dans annonce Sami Handal qui lui-même t'assemble là en me forme Sami Handal, est-ce que finalement Sami Handal li pour aller visiter li pour aller dans l'enfer? Eh bien nous pas connaître d'après information qui vient de nous Sami Handal t'assemble bien mal là eh bien dans le pays la Turquie. Nous connaissons que commencer parler de ça en parlant de Sami Handal. Eh bien monsieur t'es choisi mauvaise destination. Sami Handal t'es choisi mauvaise destination et mesdames messieurs parce que on a gardé 305 haïtiens et volontairement hein qui décidé retourner la caillou et nous connaissons nous même haïtiens nous aimons piaï nous même haïtiens nous aimons bon bagaille nous aimons plaisir nous aimons paradis. Eh bien jodi là Sami Handal monsieur actuellement et Jean nous apprendre Jean nous dit là monsieur équipe parle là fait connaître que monsieur malade très grave et d'après ça que nous apprenons, évidemment santé en pas bon santé en pas bon nous connaissons nous qui t'a souhaité que monsieur tout mourir l'autre bois mais si ça t'arrivé nous pas gain droit souhaiter la mort pour personne mais si ça t'arrivé n'a dit ça et pays la Turquie tout kembel parce que pour moun mettre pio dans sol pays d'Haïti en faut qu'on. Et comme nous connaissons voler ça ou te gen plusieurs citoyennetés, te gen plusieurs passeports, eh bien, qui retourne dans l'autre pays. Yo pas besoin de tourner voler criminel assassin qui implique directement, qui investit dans déposer quoi pour aller assassiner au président. Et ça, c'est fierté haïtien qui a parlé là. Et pendant que nous avons dit ça, monsieur, il ne faut pas oublier, monsieur, dame. Et pendant que nous avons parlé de Haïti, l'argent qui a transité de Haïti via pays arabes ça yo en pile hein? Nous toujours parler des États-Unis, Canada et la France mais on pas oublier en pile dans comme nous a transiter vers pays ça yo hein vers pays monde ça yo côté au sorti yo hein libanais ça yo en pile l'argent haïtien a investi actuellement en Liban a investi en Syrie pendant ce temps Kobou même $50 pendant ce temps Haïti pas posséder rien voler ça yo a investi dans pays yo donc ou capable voir ça sur l'autre coup du s'il ta mourir mes amis qu'il tout était l'autre bon hein? N'a dit pays yo pas besoin tout pour il tourner pour nous oui monsieur en avance mais nous dit le Salomon nous dit moun ça yo pas éternel mes amis yo pas éternel yo pas éternel on a les faits. Oui, effectivement, oui, j'ai vu, que tu as parlé des situations pays la Turquie. En tout cas, poser cette question, est-ce que Sami Handal, entre parmi, nous avons des travailleurs, mais c'est plutôt environ 305 Haïtiens qui entrent, dis-moi, nous connaissons, mais ils n'ont même pas les tours. Non, 20 Haïtiens qui entrent, hein, selon le ministère des Affaires étrangères, et bien, il y a 6 compatriotes qui sont supposés quitter le pays la Turquie. Non, moi, c'est temps qu'à venir là, après 305 ans. Yo même qui dit au pas qu'arrêter dans le pays là tu sais mais dis-moi nous et même Jean ministre des étrangers il permet nous d'aller entrer en pays nous penser que même ministre des étrangers ça c'est tout moins impossible pour te faire Sami Handal rentrer en dans pays mais Jean que nous dit dis-moi environ 305 et gagne environ 550 qui capable entrer en dans pays Lionel n'a pas n'a pas avoir information que nous gagne dis-moi n'a pas de carte insécurité mais si son frontière mais demain en tête. Pendant toute semaine, ça là, il dit, le par rapport avec bandits comme Simé, et là, tu vas en dans payant, et bien, fait environ 80 monde qui recevoir balle, et bien, il y a même une fois, il y a une place pour mettre des mouns, nous avons parlé de mettre des frontières, tellement monde recevoir balle, pendant toute semaine, ça là, il y a parlé environ 80 monde déjà recevoir balle. Mais, Jimmy, bon, c'est tellement, donc, c'est vraiment, c'est tellement, et choqué nous. Il y a une jeune dame qui a kidnappé de malheur ça, Mirine Jean, dans la zone Matissan. Attendez bien, ils ont kidnappé. Mirine Jean, elle s'est passée en Dambis, depuis le 6 Léonais. Il a sorti Jérémy pour entrer contre le prince. Et seulement lui-même, il a pris un bus qui là. Ça qui fait, c'est kidnapping, kidnapping dans le comme il y a jusqu'à présent, il a beaucoup capable de appel ensemble avec des malheurs ça, Léonais. Mais d'une gens, mais d'une voix, mais des photos de Madeleine là, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave par rapport à ce qui a passé en dents payantes. Mais d'une gens, Yves Forester Joseph, qui va être 10 propositions à la police nationale, Léonel, et le secteur privé, pour être policier, plus efficace, pour combattre l'insécurité.
malgré faible moyen, malgré physique, malgré mauvais comportement, quelqu'un policier dans l'exercice pour son temps, mais ça va empêcher ce policier de toujours être campé pour protéger et servir la population. Et bien, dans la conseil de stage, qui n'est pas facile, avec les gangs qui passent sur le calais et les coyotes sur le territoire, avec ce policier opposé, les journalistes, Yves Joseph, quoi, PNHA, a fait le travail et lui proposer plusieurs points. Parmi eux, lui aller dans le quatrième rang, Lionel, lui dit, retirer dans le cinquième point, lui dit, il a parlé des policiers, au lieu pour diaspora, on doit la 50 ans. Chaque lycée, l'école, les Haïtiens n'est pas côté au monde. Il a fait un marathon pour jouer l'argent, pour faire un projet panneau solaire, batterie, pour chaque policier, au lieu de payer 1,50 $, sans rien par exemple faire à crise. On finance des projets pour les policiers qui sont plus ou moins à l'aise pour le travail. Il y a plusieurs propositions, tout par rapport à avec nous connaissons les gens dans l'État, ils ont même qui proposent les dios, chaque fois que les gens vont se faire, les gens prennent. Ils ont même attaqué le secteur privé à tout, parce que les gens ne peuvent pas tout ça pour comment ils sont capables d'aider la police. Et même dit que la change uniforme police, et nous ne pouvons pas laisser l'uniforme police à Léonel. Nous avons 2000 uniformes la police. C'est hypocrisie, ça me barre. Comme si yo tout a parlé de la police, comme si l'armée d'Haïti pas existé. Pour que ça ne l'a fait résolution, nous pas inclus l'armée. Moi-même, c'est l'armée qui intéresse. C'est l'armée d'Haïti qui intéresse nous, mesdames, messieurs. Tout problème qui vient là, nous pas qu'on l'armée, comme si après tout le monde ça yo. Yo pas jeune font intervention à l'égard de l'armée d'Haïti. Yo fait comme si institution ça pas là, pas existé. Moi d'accord pour nous renforcer la police, non, pour nous aider. Mais côté l'armée, c'est l'armée qui nous besoin, mesdames, messieurs. L'armée qui pour rétablir l'ordre dans le pays. C'est ça que la rôle l'armée. La police limitée. Baille l'armée en plus pouvoir. Faire recrutement. L'argent ça que nous gagnons, que nous capables d'aider. Nous tout tap dit le bon ici. Oui, nous capables de 7. Mais en nous faire avec une force légale qui c'est l'armée d'Haïti. Moi-même, m'a investi, m'a aidé bon l'armée. Hein. C'est ça qui est intéressé. Puis, m'a en pile diaspora, tout ça intéressé. Bon. Oui, Salomon. Mais ça Zami, c'est pas forcément faux. Et dis-moi, avant que vous passez à Salomon, Jean qui vous dit là, moi, m'a corrigé ce que vous dites. Ceci est tellement vrai. Nos polices, nous sommes considérés comme une police administrative. Il y a des travails pour ça qu'on a fait et il y a des travails pour ça qu'on n'a pas fait. Et si police ça, c'est capable de formation pour ça. Et je suis certain qu'il est capable. Mais pour ça, va en formation. Pour ça, c'est militaire. Pour ça, travail, c'est militaire. Guerre contre guerre, c'est militaire. C'est rôle militaire. Et je pense que, après, et même pour les policiers de nos jours, qui ont souvent convoité comme défenseur Ariel Henry. Ou après, lorsque le peuple a voulu envahir Ariel Henry, et c'est le fort policier qui fait travail. Parce que les policiers ne peuvent pas quitter n'importe travail. Mais souvent, policiers eux-mêmes, ou après, donner juste à la police comportée comme policier, comme médecin, mais contre l'invention. On va regarder dans le cadre du dossier, dans le cadre de l'autre, et Ariel Henry fait sortir pour que toute machine, à partir de nouvelles, à partir des 14 juillet, se passe là, pour toute machine de nouvelles places. Et qui ça, Ariel Henry? Non, Ariel Henry besoin de ramasser comme. Et comme ça, et Ariel Henry ramasser pour l'âge de qui ça? Et non, l'État, on peut mettre de côté que tout, chaque citoyen qui est caractérisé, il est supposé comporter en désobéissance civile. Pas tant supposé, pas supposé prendre contre l'avancement de la police. C'est vrai, après ce qu'on fait, travail, il fouille les machines pour qu'on ne puisse pas démanger ce qu'on a passé. Mais ça fait pour la police, ça met une contravention comme quoi, on va payer vie, on va payer assurance, on va payer. Non, mais c'est des bagages. Si vous voulez, ça nous fait, c'est normal, lui. C'est normal, comme c'est si nous besoin avec Ariel Henry, même là, nous avons des problèmes avec Ariel Henry. Mais c'est normal, si nous avons conduit sans plaque, ou pas payé, comme si, ou pas respecté le règlement, c'est normal pour la police botique. Nous même bon ici, nous avons dans le micro, Vladimir Maurice Ridoy. Le 8 juillet, pendant 2 semaines, où joignent Genève et Ali à faire attaque sur la Cité Soleil, côté que Utah et essayer de loger et gang et Tigabriel là, ça fait un paquet de victimes, environ 500 monde qui mourent et quantité monde qui quitte la caillou, monde qui blessé, qui victime caillou écrasé et nous pas capable fin compter et jusqu'au moment on a parlé là, l'État a pas fait aucune intervention
pour protéger Mounio ou bien pour bay Mounio assistance. Et tout le monde est capable de constater bandits, Genève et alliés, ils ont utilisé équipement dans l'État, tant que CNE, avec travaux publics pour être capable d'écraser et Kaimounio pour mener et attaque ça. Bon, et l'État n'a pas jamais fait rien. Et là, ils ont quitté Bayontikal dans la Cité Soleil. Quand ils ont mis un état de siège en bas de la ville, dans la zone et la douane, dans la zone Poa. Et jeudi dimanche, qui était 24 juillet 2022, Genève et Allier commençaient à attaquer Cité Soleil. Là, ils ont commencé à attaquer Belay. Nous pas qu'on connaît quantité moun et qui victime et toute bagaille ça au fait en basé et autorité qui montrait que la vie moun pas gain en rien aucune importance pour yo et yon a banalisation la vie moun et nous capable gain des moun tout qui nan coalition qui sous pouvoir qui gain en tête li et docteur Ariel Henry qui ayel la té la ria qui t'a en position pour dénoncer attaque massacre qu'a fait dans quartier défavorisé qu'a dénoncer banalisation la vie monde et qu'a dénoncer impunité avec corruption instrumentalisation institution yo et ben je dis c'est eux même qui porte parole et pouvoir parce que confortable et dans instabilité ça dans insécurité ça dans banalisation la vie monde parce que eux même yo yo pa yo sorti dans la ria yo pa dans même situation avec population chaque fois et GF et allié et a fait des attaques comme ça il y a un message que météo et voyez par exemple nous songer dans mois novembre 2021 et pendant un bon bout de temps plus passé 2 semaines yo été attaqué yo été empêché et gaz sorti et dans terminal yo pour aller dans pompe yo et c'est après patron yo chef yo fin parler avec yo et puis yo te font camper Pierre Espérance on parler de patron on parler de chef Pierre Espérance directeur exécutif PNDDH ou faire référence à qui est et qui famille politique en clair vous voulez parler qui c'est patron G9 en famille Akali bon, patron G9 et allié c'est PHTK c'est régime qui sous pouvoir c'est coalition qui sous pouvoir qui est en tête de Ariel Henry, c'est son mode de politique, c'est gouvernance et administration Jovenel là, te bail, c'est comme ça que ça a fonctionné, et c'est même mode de gouvernance sa coalition qui sous pouvoir, qui est en tête de Dr. Ariel Henry, c'est attaquer mon yon kate défavorisé, pour yon kakem de pouvoir, yo, pas gen la police, pas gen la justice, pas gen garantie pour mon yon capable et défendre droit yo soit au niveau de la justice ou bien auprès des institutions ça veut dire que population a livré avec eux-mêmes qui donc c'est population qui pour renverser situation voilà directeur exécutif RNDDH tant que mandé peuple a levé campé pour renverser équipe ça yo qui appuyait criminel cap départ fini avec paysan et équipe qui sous pouvoir directeur exécutif RNDDH non toujours monsieur Espérance mandé la justice non faire course li dans dossier zam ak munition qui saisi dans la douane port de paix ak la douane Port-au-Prince dirigeant dirigeant organisation cap défendre droit monde dénoncer États-Unis qui pas prend bon gens disposition pour rider pays d'Haïti combattre trafic zam ak trafic munition balle qui continue à venir renforcer gang yo dans pays d'Haïti alors que la police toujours gain problème moyen ak équipement pour kwape bandi. Directeur exécutif NDDH, monsieur Espérance, fait qu'on est réseau national qui a défendu droit monde l'a dirigé a pas quoi l'église épiscopale impliquée dans trafic zam ni dans trafic munition. Mais il souhaitait lumière faite sous dossier ça avant longtemps pour traîner devant la justice tout monde qui participait dans utiliser franchise l'église épiscopale là pour faire zam ak munition rentrer illégalement dans pays a. N'attend le directeur exécutif RNDDH monsieur Pierre Espérance toujours dans micro Vladimir Maurice Doué. Nous pas qu'à accepter non pays. Côté zam avec munitions à entrer et zam avec cartouches à entrer dans pays comme ça
Et qui côté zami yo sorti, souple, puis faut la dan yo, 82% la dan yo, yo sorti dans un pays, les États-Unis, qui mette restriction, qui mette embargo sous zam, côté que l'État dans le pays pas pa capable acheter zam avec munitions dans les États-Unis, alors que gang yo, yo jouen zam sa yo avec munitions facile. Yo pi bien équipé passe la police là. Et c'est ça que faut ouais policiers ont appelé des victimes et comme ça et toute population a victime. Donc jodi an ces populations qui gagne dernier mois qui pour renverser et situation ou regardez ça qui a passé dans port de paix côté que yo commencé saisir et identifier des armes qui a rentré. Et ben ouais l'état très fond la dani et kounye là ou gagne dans Port-au-Prince. Et ça qui a passé dans Port-au-Prince, j'en vois gang yo a pas accéléré comme ça. Et pour nous-mêmes, dans RNDDH, lié avec quelques conteneurs qui ont commencé à identifier qui ont des armes là-dedans, ou bien des conteneurs qui ont décidé, des bateaux qui ont décidé de fouiller. Oui, naturellement, l'un des conteneurs qui ont des armes, ce n'est pas dit, par exemple, les gros paquets de tollés qui fait, Jean, commissaire gouvernement, qui fait li, en pile monde. Et yo jwenn un conteneur qui gen zam et yo getan yo indexé l'église épiscopale yo indexé on paquet moun alors que la justice pas vivre des scandales depuis acteur dans chaîne pénale là c'est chaud qui a bail et dans dossier son façon y a aller moun sou yo pour capable négocier et bon c'est vrai nous même dans RNDDH nous pas croire que et l'église épiscopale est impliquée dans le trafic d'âme ou bien fait d'âme rentrer. Cependant, c'est franchise l'église, c'est non l'église qui vient. L'important pour l'église est collaborer parce que c'est clair que l'église pas capable pas connait pas capable joindre monde qui utilise franchise l'église qui fait d'âme ça et rentrer. Donc nous-mêmes nous ta remen ouais zéro tolérance pour d'âme avec munitions ça. Ça qui a passé à l'est pas bon pour nous. N'importe monde capable victime donc ça li inacceptable li révoltant on comprend il y a pile monde qui pas dans insécurité a yo pas dans situation population belè yo pas dans situation population et cité soleil là yo pas dans situation population dans quoi des bouquets yo pas dans situation pas ou même avec moi nous même dans radio qu'est-ce qu'il y a et cap vivre bagaille yo pas dans situation ça mais population majorité population a souffri gang pas capable développer une société. Gang pas capable ba ou état des droits. Gang nan se mercenaires ke yo ye. Pas grand rien qu'on capable faire avec bandi. Ni ça qui a déchapillé moun nan zone yo ki di yo pa nan kidnapping. Ni ça qui nan viol, qui nan massacre, ni ça qui nan kidnapping. Tout ces mêmes résultats. Nous besoin société qui chita sous état des droits. Mais si tout moun chita, yo poète yo, yap gade, eh ben, pas pral di pita pitris parce que nous nan pita. Et eh ben, demain, ou pas capable même sorti la kayou. Directeur exécutif RNDDH, monsieur Pierre Espérance sous situation et paysan dans micro Vladimir Maurice Ridoré et bien gagné conseil l'ordre avocat Port-au-Prince qui bail une conférence pour la presse concernant l'arrestation maître Robinson Pierre lui dans dossier ZAM avec munitions illégales pour deux paires conseil l'ordre avocat Barreau Port-au-Prince exiger libération maître Robinson Pierre lui pendant instruction, il est capable toujours continuer à faire instruction, mais même pour libre. C'est ça, nos conférences pour la presse. Responsable Barreau Port-au-Prince, et bien, je ne veux dire, dans le local, sous Boudon, et côté maître Max Stanley Lafortune, qui m'a conseillé là, dénoncer forme arrestation secrétaire l'ordre avocat Barreau Port-au-Prince, maître Robinson Pierre-Louis. Il dit, il a violé article 53 et la police et la justice, avec article 66. Décret 29 mars 79 l'an qui mandait fort conseil l'ordre là informé d'abord avant pour arrêter un membre et toujours dans conférence pour la presse il précisait avocat yo pa gen immunité mais il dit yo gen protection n'a tande maître Max Stanley Lafortune membre au Port-au-Prince qui fait intervention en faveur maître Robinson Pierre-Louis